né en 2010, inspiré par d'autres exemples d'orchestres d'improvisateurs européens comme le London Improviser Orchestra. C'était vraiment notre premier impulse dont on s'est vraiment beaucoup éloigné avec le temps pour devenir vraiment un projet qui a son propre caractère. On a lancé l'initiative en organisant un concert, en invitant un maximum de musiciens. Et on a appelé ça l'Insub Meta Orchestra Insub parce que c'est lié au label Insub qui est notre label. Et Meta Orchestra parce qu'on avait vraiment envie de faire un truc avec énormément de monde. Donc au début, il y avait cette idée-là. Je pense qu'une des choses vraiment spécifiques de l'IMO, c'est de vraiment travailler le son et le son généré comme un tout et pas comme une addition d'individus, mais comme quelque chose de généré collectivement. Nos points de travail, c'était par exemple de se dire on fait un son, on ne fait pas 30 sons, mais on fait un son à 30. Donc on cherche moins à demander à un guitariste à jouer de la guitare ou bien à un saxophoniste à jouer du saxophone que finalement à créer un vocabulaire commun qui est une sorte de banque de données de sons qui est productible par tous les instruments, quels qu'ils soient. Donc il y a trois notes, Do, Do dièse, Ré, que vous devez choisir et garder dans la même octave. Et donc vous jouez ces trois notes, que ces trois notes, pendant 12-13 minutes, disons. Le changement, en fait, il s'opère par... il n'y a pas de signe, c'est-à-dire que tout à coup, quelqu'un introduit le Fa dièse, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut jouer cette note. Faites gaffe à l'effet un peu... grossier, de passer tous au Fa dièse parce que vous l'avez entendu, donc enfin, voilà, ça veut dire que le Fa dièse peut être inclus dans les trois notes. Oui, c'est ça. Ils font Do dièse et qu'on fait Do, tu vois, ça va forcément créer une tension. Ça peut marcher si c'est faux et du coup ça risque de faire un truc un peu merdique. On est dans des quarts de ton là. Ouais. Et faut que ça marche, là c'est ça. Ok, we should play the higher part. Si je fais tout seul un coup, ça fait mal. Je vois ta note. Attends, je fais juste tout seul. Vas-y. C'est un sol quart de ton au-dessus. Ça peut être une intervention qui dure 4-5 secondes, court, ça c'est l'aspect court, comme ça peut être quelque chose qui peut durer même carrément une minute. Après, c'est là où il faut aussi prendre conscience d'un truc, c'est qu'il y a des groupes avec des souffleurs. Donc vous allez de toute façon pas dépasser la durée de votre souffle, ça va être votre durée maximum. Être conscient des combinaisons qu'on fait avec chacun. L'aspect du coup vient de ça, c'est que tu as joué avec nous,
Sinon, on joue, tu recommences pas en même temps que nous. Parce que ce qu'on veut, c'est pas qu'on soit tout en même temps. Donc du coup, tu vas commencer avec quelqu'un d'autre, et ça va se spécialiser. Finalement, on est arrivé à l'écriture ou à la composition parce qu'on atteignait une certaine limite avec l'improvisation. Donc finalement, on fait une sorte de va-et-vient entre l'improvisation et la composition. Simplement, de l'improvisation, on atteint certaines limites et pour les dépasser, on a besoin de composer. Et de par la composition, il y a un moment où on a besoin de nouveau retrouver l'improvisation pour découvrir des nouveaux champs qu'on n'arrive pas à explorer avec l'écriture.